Et yo tout le monde, ici le marteau et on se retrouve exactement à la suite donc de la vidéo où on s'était arrêté. Donc moi c'est le marteau, salut les clous, j'espère que vous allez bien. Pour moi en ce moment c'est les vacances et ouais les gars, pour ça qu'il y avait un petit peu moins de vidéos en ce moment. Mais ça veut pas dire que c'est la fin bien sûr, parce que les vacances sont terminées et que donc il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver. Donc on est sur Seraph, c'est un action plateforme. Et quand il y a des gros démons comme ça, il faut... Putain mais ce flingue vous avez vu comparé à la première vidéo où on faisait... Attendez alors, est-ce que j'ai des munitions illimitées sur ce flingue? Ah non, j'ai plus de balles donc je suis repassé sur l'autre. Ok. D'accord, donc il faudrait peut-être que je prenne des munitions. Et il y a un truc que je vous avais pas montré aussi, c'est le blink. C'est-à-dire que le blink permet d'atteindre des zones vachement hautes. Et ça, c'est quand même génial. En fait, ce jeu est vraiment bon, en fait. Ok, on appuie sur ça pour unlock la porte. Ce jeu est vraiment très, très, très jouissif. En fait. Bim! Wouah, je lui ai mis une de ses claques. Allez, meurs! The Orange Crystal, de Automatic Combine, Visible Shard. Ok, apparemment on a des shards, on peut faire des trucs. Uff les gars. On peut débloquer une mitraillette. Oh là 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 là, on a 128 balles. Oh, putain, on a que 16 secondes pour passer. Mais en même temps, j'aurais peut-être envie d'aller à droite. Oh là là. Ouf. Femme des chiches. Oh merde. Le problème c'est que... Waouh, on est dans une mélasse. Le problème c'est que là il faut désintégrer les... Oh putain, je suis pas bien. Waouh non, je croyais que c'était un buff. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai cru que le truc violet c'était un buff. Qui vole un buff. Vole un œuf. Et bim. Alors, on va continuer. Alors, ouais, on va aller sur le boss, ouais. Je joue un peu à la bourrin, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est un peu le jeu qui force le bourrinage. Ok, allez, je te désintègre. Il a plus qu'une deuxième transformation, et après, il est fini. Mange-toi ça. Dégage avec tes orbes, et... Coup du séraphin, hop, on clean. Alors on en est où? On a récupéré pas mal de points de vie là. Apparemment j'ai fini cette zone. Donc ils nous disent de nous barrer, mais mais il y a des trucs à voir là. Hein. Oh là, lui c'était un petit démon mais qui en voulait non? Tu dégages. Ok. Allez, je te kill. Ok, là je pense qu'on a bien bien clean. On débloque plein de trucs et tout. Pas mal ce jeu quand même. Tu cliques, il y a des trucs qui se passent et tout. D'accord, en fait il nous dit qu'il y a l'exit. Mais je pense les gars, qu'on est loin d'avoir terminé. Ah non. Attendez. 8 secondes. Ah ah. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué, hein. Oh là là. Checkpoint. Bim. Oh mon dieu, j'ai failli oublier ça. Qu'est-ce que c'est? Ça double les dégâts? Oh mon dieu. Donc double jump, blink, bim. Et on peut jump aussi vers le haut. Et je fais du caca. Et là on s'en va. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Passons aux choses sérieuses. Et on va voir un peu les armes qu'on a de disponibles. Alors, des shards 4, machin, on continue. Ouais, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant?
Ok, apparemment on peut débloquer un truc de transmutation. Je viens de voir que c'est apparu à l'écran. On peut avoir une nouvelle arme. Ouais, moi je prends moi. Oh, oh comme ça. Comme c'est bon quoi. C'est ça, c'est Matrix. C'est un mélange de Matrix et Alien. Voilà. Alien 4 et Matrix. Uf. Bim. Mange-toi ça. Je te désintègre. Voilà, tu reviens pas à la vie. Oh my god. Elle a l'air bonne cette arme. Hein. Oh, comme tu as pris toi. Alors il me reste 25 balles de ce côté là. Je vais peut-être changer de fusil. Alors des fois ça demande pas de faire du rez. Ça doit être des petits boss en fait. Voilà, celui-là demande pas de faire. Il demande pas d'appuyer sur X pour le désintégrer. Donnez-moi des shards. En fait ça fait quoi? Les shards ça fait de l'X. Je sais pas, on verra. Je pense qu'on va pouvoir l'utiliser. Tout ce qu'on récupère, on va pouvoir. Lui il est pas bon. Lui il veut ressusciter. Les mecs qui veulent ressusciter, ça me paie pas. Ok, 18 secondes. Donne-moi tes shards. Donne-moi tes shards. Ah bah viens te fight ici si tu veux. Y'a pas de soucis. Allez, je te finis. Oh non. Merde. Et non, il voit, il faut bien le faire à côté, sinon il va raise. Et voilà. Ok. Donc je crois qu'on avait des dégâts x2. Est-ce qu'on aurait une nouvelle arme? Ouais. C'est quoi ça? Uf. 40 max books. On a apparemment un nouvel anneau. On va rester sur ce qu'on a, j'ai envie de dire. Et je crois que on va suivre la flèche. Et je pense qu'il y a un glow 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 bobos. N'est-ce pas? You currently have a powerful weapon and position press RB to swap it. Ok. Ah d'accord, il vient de dire que j'avais une plus grosse arme et que je pouvais éventuellement la changer. Ouais, effectivement, je pense que ça clean bien. Je pense que... Ok, je pense que il va falloir plutôt défoncer ça, ouais. Rapidement, avant que ça repop. C'est un genre de portail à démon. Le tuer très rapidement, chose que j'ai faite. Sinon ça aurait pu être un carnage. You have collected enough to upgrade transmutation menu. Ok, alors est-ce que en cliquant sur start je peux y accéder? Non, il faut aller revenir sur le menu du jeu. Donc ça sera à la fin de la vidéo, je vais aller sur le menu et que tout simplement on va essayer de voir ça pour les améliorations. Donc apparemment, ce sont ces shards là que j'ai collecté qui m'ont permis d'avoir un point en transmutation. Et je pense qu'on va avoir des améliorations qui vont être assez sympatoches. Ok. Oh con. Ok, c'était pas le seul. Oh putain, j'ai plus... Oh putain, là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Parce que... j'ai plus de grosses armes. Et ouais. Donc la fontaine là, ça va être dur pour la péter. Mais bon, je pense que ça va le faire. Il faut que je le tue. Ouais, la fontaine est bientôt morte. Allez. Parce qu'il faut que ça arrête de me faire... Ça me fait pop des ennemis. C'est pas bon pour la santé.
Même si t'es copain avec une hyène. Alors. Wouh, oh les gars, calmez-vous les gars. Voilà un petit coffre. Ça fait pas de mal. Putain, elle sprint. Le mec qui blink là où il faut pas quoi. Alors, double jump, blink. Oh j'ai peur. Et voilà, on y est. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Eh ouais les gars. Alors. Uff, Seraph has gained a new level which has increased her maximum. D'accord. Donc le Seraph a gagné un. A passé un niveau, donc du coup il a augmenté sa pointe de vie de 25. Alors. En additionnel, on peut choisir a blessing or a blessing update for level 1. Ok. Donc, touch of mortality. The smite ability will deal 100 holy damage to demon. Donc apparemment, le smite, je sais pas lequel c'est. Je pense que c'est la boule d'énergie peut-être. Ça fait plus de dégâts. Bless ammunition. Il a 10% de chance que sur nos balles, on fasse 10 de dégâts de sacré sur, nos, sur les démons. Alors tuer un démon transforme donc le séraphin en bloodlust. Ça augmente donc tous les dégâts qu'elle fait de 5% pendant 5 secondes. Et ça peut se stacker à 5 fois. Uf. Smite attack on regenerating will heal Seraph by 5%. Ok. Le problème c'est que smite, je ne sais pas quelle attaque c'est. J'ai envie de prendre ça. Vu qu'on tire beaucoup. Ça peut être bon. Voilà. Save and quit. Ouais, on va save and quit. Comme ça, je vous montre le menu. Dans le menu, je pense que... nous ont dit qu'on avait suffisamment de points pour avoir une amélioration. Alors... Donc, par exemple, je veux dans la branche holy. Ok, dans la branche sacrée. D'accord, je peux pas passer au tiers 2 sans avoir le tiers 1. Donc, oh d'accord, je peux poser une charde, une commune, je la combine. Bim. Du coup, j'ai débloqué le niveau 2, c'est ça? Ok, je peux mettre ça, ok. En fait, je peux mettre des shards sur tous les trucs. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Plus 5%, plus 10, plus 1 HP. Blinking through an enemy will damage them. Uff! Enemy have a chance of dropping an additional mot on death. Ok. Et ça, collecting full shard will now boost your maximum heals. Ok, que des améliorations de ouf. Et là, c'est quoi? Donc apparemment, j'ai suffisamment de ça. Alors, unlock demon, allow Seraph to see and collect various materials from corpse and use... Ok. Donc apparemment, je peux le craft. Donc apparemment, je peux débloquer des nouveaux matériaux quand je tue des mecs qui vont me permettre... D'accord, je vais pouvoir faire des crafter des flingues, un fusil à pompe, il y a quoi d'autre? Oh là 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 là. Des wards. Avec des anneaux, avec sûrement des pleins de buffs. Et des miracles. Des intégrations. Le jeu est en early access, donc il y a des choses qui ne sont pas encore implémentées, tout ça, tout ça. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, il y a au niveau des miracles, j'ai le rappel et l'orbe. Ce sont un de nos sorts. Et le smite, donc du coup, qu'est-ce que le smite? Eh ben, on ne le saura jamais. Enfin voilà, j'ai envie de dire, le jeu est très très bon, en tout cas il donne envie d'y rejouer, et ça veut dire que le jeu est bien fait, et que ça vaut un petit plus, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner sur la chaîne, tous les autres réseaux sociaux, ou alors de tout simplement, vous savez pas quoi faire, mais mettez un clou, postez un clou, 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 et je te bang. Voilà, passez une très bonne journée, à très bientôt, ciao, ciao.